La ville portuaire de Matadi souffre énormément ces derniers temps du banditisme urbain. Dans plusieurs quartiers, la population demeure loin de connaître des nuits paisibles à cause du phénomène Koulouna. Plusieurs dizaines de jeunes débarquent avec diverses armes blanches, machettes, barmines et autres morceaux de fer pour des opérations de vol. Un des facteurs qui facilite leur sale besogne, c'est l'obscurité. Car dans de nombreux quartiers, non seulement les avenues ne sont pas suffisamment éclairées, mais l'éclairage public non plus n'est pas là. C'est le cas du quartier sud dans la commune de Mvouzi. Sur place, la population lance un pressant appel à l'endroit de l'autorité urbaine, lui demandant de faire comme il l'a fait ailleurs, installer l'éclairage public en vue de décourager le Koulouna qui débarque chaque nuit pour opérer. L'installation de la lumière, sont-ils convaincus, va restaurer dans une très large proportion la sécurité que tout le monde recherche ces derniers temps. Mais pour avoir un cicatrice, on va partir à village à Kamane, Timbante. Mine dans ce qu'il a fait. Je vais dire, maman. Ah, c'est que c'est l'embote, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous avez la quoi, vous avez 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 quoi, Je suis un peu plus de temps.